Rachel Delacour, je suis la présidente et la cofondatrice de BIM. BIM est une société que nous avons créée en 2009, basée à Montpellier. Nous proposons une solution de business intelligence ou d'informatique décisionnelle. Aujourd'hui, donc, nous avons plusieurs centaines de clients à travers le monde, surtout à l'étranger, donc avis aux Français. Nous venons de réaliser une levée de fonds de 3 millions d'euros récemment pour aller aussi nous implanter, donc, aux États-Unis, là où nous avons donc une traction très importante. Donc, c'est une plateforme que l'on rend accessible donc en ligne, vendue comme un service, une plateforme donc de business intelligence qui va permettre à l'utilisateur métier d'aller se connecter à ces différentes sources de données qu'il va utiliser dans son quotidien, dans son business quotidien, donc des sources de données à la fois en ligne et on-premise, donc installé. Je suis en train de vous parler là de sources de type Salesforce, de type Oracle installé, de type Facebook, de type Google Spreadsheets par exemple. Et à partir de ces sources de données, il va pouvoir donc créer des analyses, créer des requêtes qu'il va pouvoir mettre sous forme graphique et pouvoir alimenter donc un tableau de bord qu'il va pouvoir ensuite partager de manière collaborative, donc en ligne, pour piloter son activité. Voilà, l'aboutissant, c'est vraiment de créer des tableaux de bord pour piloter son activité. La particularité de BIM, c'est qu'on a réussi donc à proposer tous ces éléments, tout cet aboutissant donc, au sein d'une seule et même interface web. Et cette business intelligence, elle devient moderne grâce à BIM parce qu'elle est simple à utiliser, parce qu'elle est scalable. Vous pouvez avoir du jour au lendemain 10 000 collaborateurs qui utilisent BIM. Vous aurez accès à la puissance cloud via laquelle nous avons développé l'outil.